Un bon chasseur est un chasseur sachant chasser sans son chien ou avec son chien. Voilà, oui. Je suis écrivaine, scénariste et ce dernier temps de confinement, je fais le coaching en ligne d'après mon dernier livre « Comment te marier autant de fois que tu veux ». Donc je fabrique des femmes heureuses. J'ai toujours rêvé de devenir écrivain ou écrivaine, mais tout le monde me disait que ça n'existait pas, le boulot comme ça. Donc il faut être comme tout le monde, il faut devenir avocat ou il faut devenir économiste, mais pas écrivain. Donc finalement, j'ai commencé à faire mes études de français pour devenir soi-disant traductrice. Et mon français m'a servi à quelque chose parce que j'ai travaillé pendant 3 ans et demi en tant que la première secrétaire chargée des affaires culturelles à l'ambassade d'Ukraine en France. La cause qui me tient à cœur, c'est presque chaque cause qui est liée à la libération. J'adore libérer les esprits. Dans les sociétés patriarcales comme en Ukraine, il y a toujours un poids énorme qui pèse sur toi. Et moi, je dis aux femmes que la femme doit faire ce que la femme veut faire. Il y a la cause politique aussi. J'ai participé à 2 révolutions en Ukraine. Donc je crois que c'est vraiment, on doit se battre pour la liberté et pour la liberté des autres. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. J'essaye plus vite. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Yes, j'ai réussi.